Bonjour à tous et dans cette vidéo, nous allons voir comment déclarer une fonction en langage Python. Pour déclarer une fonction en langage Python, nous devons mettre le mot-clé def. Ensuite, nous devons donner le nom de la fonction. Là, je vais l'appeler table. Saisie, virgule, et je mets égal, virgule, et cette fois-ci je vais mettre i multiplié par nombre, c'est-à-dire astérisque. Donc je vais mettre ça entre parenthèses, virgule. Bon, je vais pas mettre de virgule, je vais fermer la parenthèse définitivement. Et là, si je veux appeler la fonction, je n'ai qu'à appeler la fonction table de multiplication entre parenthèses. Si je laisse comme ça, ça va générer une erreur parce que je n'ai pas défini de paramètres. Donc je vais devoir définir des paramètres. Je vais mettre 5,10. Ou bien par défaut, je peux mettre une valeur par défaut ici qui sera 10. Et là, je ne suis pas obligé de mettre le deuxième paramètre. J'enregistre. Et je vais actualiser. Ça va me donner la table de multiplication par 5. Et voilà, voici la table de multiplication par 5. Mais vous voyez qu'il commence toujours par 0 au lieu de commencer directement par 1. Donc on va faire une petite modification. Ici, on va rajouter toujours plus 1 devant. Et ici aussi, on va rajouter plus 1. Et je vais mettre une parenthèse pour faire la distinction. Donc je rajoute toujours plus 1 devant. Et j'exécute, et là on a la table de multiplication par 5. 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10, 3 fois 5, 15. Si je veux utiliser la table de multiplication par 6, je peux directement dans la console appeler la fonction table de multiplication. Entre parenthèses, je vais mettre 6. Et cette fois-ci, il va me donner la table de multiplication par 6. Maintenant, s'il veut qu'il affiche la table de multiplication en allant jusqu'à 20 même, là, je vais mettre virgule 20. Et je valide, il me donne la table de multiplication par 6 en allant jusqu'à 20. Et ici aussi, je peux toujours modifier. Je peux mettre 3. Et j'enregistre.
et j'exécute, on a le résultat qui est là. Maintenant, je peux aussi demander à l'utilisateur de saisir un nombre, par exemple. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre que je vais appeler n égale, il fait int en parenthèse, input, et je vais lui dire saisir un entier. Et je ferme les deux parenthèses. Maintenant ici je vais simplement afficher n. Donc lorsque je vais exécuter la particularité, ils vont me demander de saisir un entier et je pourrais choisir l'entier que je veux. Donc j'appuie sur 9 et je vais aller l'entrée et j'ai la table de 9. Je vais réexécuter encore. Cette fois-ci, je vais appuyer sur 3 et je valide avec entrée et j'ai la table de 3. Donc, vous savez maintenant comment, à quoi sert les fonctions et comment déclarer une fonction. Maintenant, il faut que vous sachiez que la réalité, c'est que pour lorsque on déclare une fonction et que à chaque fois qu'on aura besoin de la fonction, on va juste appuyer la fonction à travers son nom et son paramètre. Et là, on a la possibilité de définir un paramètre par défaut. Le deuxième paramètre, par exemple, si je définis un paramètre par défaut, je ne serai pas obligé de mettre un deuxième paramètre. Et je peux toujours l'utiliser autant de fois que je veux. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo, demain matin, à la même heure. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager la vidéo au maximum dans tout le groupe. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.